lui dans un marathon. Donc toi, t'es un heureux chanceux d'avoir drivé Varenne. Ah oui, mais j'ai couru en contre. Je le contrais avec Zinzambro Tour à Milan. C'est la plus belle course que j'ai faite dans la vie. Parce que... Bon, après, il m'a battu, mais j'ai couru à la manière. J'ai pris tête-corde et là, Claudio Icardi, qui était le commentateur très important de la Rai 2, il a dit, attention, difficile battre Zinzambro Tour à tête-corde maintenant. C'est l'hippique neuf avec l'hippique vieux. Et mais malheureusement, il n'a pas vu raison. Il m'a tué. Tu as vu comme elle est différente ce matin, hein? Est-ce que tu viens voir? Lui, c'est un acteur. Ça, c'est un acteur de cinéma. Hein. Ce matin, il parle une âne. Oui, il faisait calme, il faisait mou. Il était mou comme ça. Ouais. Quand tu arrives avec une machine pour faire le repris comme ça, lui, il est déjà différent. Il change beaucoup. Je pense que c'est un cheval qui manque la parole. Et ce qu'il a fait en course, c'est que toutes les personnes qui sont restées à côté sont venues fort. C'est lui fort. Hein? Tout le monde qui l'a touché, il a changé la vie. Ah, lui, je pense que c'est le crack à l'état pur, puisqu'il a gagné partout, devant, derrière, enfin voilà, surtout devant. Voilà. C'est moi, dans un bon jour, on va faire une chose comme ça, avec tous les grands messieurs du trot, les grands entraîneurs, à faire comment ça s'appelle en français, une course pour voir qui c'est le plus fort de tout le temps. Tu peux pas faire ça, mais avec des personnes comme, je dis ici, Guzzinati, monsieur Dubois, tous les grands, monsieur Johansson, on va faire un concours pour découvrir qui c'est le meilleur cheval de tout le temps. Je pense que lui, c'est pas lui qui va gagner. Je pense que c'est difficile de battre. Mais si j'ai quelqu'un à mettre à côté, je mettrai Bellino 2. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Bellino 2? Pas comme monter à télé et en Amérique, partout en Italie. C'est le seul cheval qui, à mon avis, il a fait des choses comme Varenne. Pas peur de sortir des confins, courir en Amérique, partout. Lui, il a couru corde à droite, corde à gauche. Il n'a pas fait le monté, dommage. Moi, je pense qu'il aurait gagné aussi le monté. C'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Tu as dit avant, c'est pas un gros cheval. Non, non, c'est pas petit. T'as raison. Et il rappelle un peu le cheval que tu as vu ce matin? Oui. Pas le ventre comme ça, c'est normal, mais... Theodore Griff, il a beaucoup de son père. Il est signé à son père. Tu as vu un cheval différent de ce matin? C'est fou, c'est fou. Là, il est présenté par Anna, il a présenté. Et là il s'est fait voir. Hein. C'est différent maintenant. Hein. Et là, quand il beaucoup de fois, il le mène sur les champs courses. Encore, il se met à... Il fait l'inquine comme ça. Il fait des choses que... Un cheval... C'est vraiment un cheval qui vive... comme... C'est une personne, hein. Il aime aller dans le public comme ça, devant les... Tu regardes. Que lui, il comprend. Moi, je pense que lui, il comprend quelque chose. Il aime beaucoup aller au milieu de les personnes. Beaucoup de personnes, il a peur de rien. Encore attelé à Naples. Hein? C'est Minucci qui l'a attelé à Naples. C'est beaucoup. Je pense qu'il n'a jamais attelé sur les champs courses comme ça. Après la... Non? Non, capisco le français. Bon, Minucci, il a fait le dernier loterie, là. Il a fait un défilé. Vraiment, c'est encore au sulky. D'entraînement, mais bien le cheval. Il a trotté là. Il a 19 ans. Mais par contre, il est encore bien. Tu
Toi, tu l'aimes bien comme reproducteur? Moi, je l'aime bien comme tout. Comme tu fais à pâmer un cheval comme ça. Je rappelle encore, j'ai encore dans les yeux les prix d'Amérique qu'il a gagné et les courses qu'il a gagnées en Amérique, partout. Comme tu fais à ne pas respecter un cheval comme ça, c'est obligé. Il a donné 120 gagnants du classique. 120. C'est pas. Ce sont pas des dits. Ils donnent, ils ne donnent pas. Ce sont des chevaux confirmés, non? Oui. C'est lui et Love You, ils sont les deux plus forts d'Europe, je pense, non? Comme statistique. En tout cas, il est gentil, il pose pour la caméra. Hein, oui. Voilà, voilà. Comme tu as dit, c'est un acteur. Une autre que moi j'estime beaucoup, c'est Rudy Cash, parce qu'il a débuté très, très tôt et après il a duré beaucoup. Une pointe de vitesse incroyable. Aussi, il a changé quelque chose dans les courses, hein, lui. Il a fait voir quelque chose de... Ok, c'est bien. Merci, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup.